Rassurez-vous, monsieur Monge. On a accepté tous les prêts. Vous voulez combien? Entendu. Mais vous me prenez une assurance vie en plus. C'est ça ou rien? Je savais que vous étiez quelqu'un de raisonnable. Au revoir, monsieur Valine. Constantin, tu me transfères 25 000 du compte de ta marquise sur le compte de monsieur Valine. Encore la marquise de la Villette? Il va finir par s'en apercevoir. Peu importe. Lorsqu'elle s'en apercevra, on lui dira que c'était une erreur informatique. Et on lui remettra son argent en les prenant sur un autre compte. Mieux, sur plusieurs comptes. Ce sera plus discret. Tu es folle? Tu me l'as déjà dit, mais ça te plaît que je sois un peu folle? Oui, ça m'amuse et ça me stresse en même temps. Moi, ça m'amuse, c'est tout. Lucie, tu peux recevoir la nouvelle cliente dans le bureau clientèle? Oui, monsieur. Je la trouve comment la nouvelle, mon petit Constantin? Charmant. Je parlais au niveau professionnel. Elle prend des initiatives intéressantes. Parfait. Ça devrait vous plaire. Parfait. Bonjour madame. Madame comment? Hélène Odéon. Enchantée madame Odéon. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais ouvrir un compte dans votre banque. Bien. J'aurais également besoin d'un découvert important. Vous avez des garanties? Non, mais on peut s'arranger. On m'a dit que vous étiez une banque peu regardant. Enfin, je veux dire très souple. On ne vous a pas menti. Je vous propose un découvert illimité. À condition que vous me preniez une assurance vie et que vous m'achetiez quelques actions. Nous en avons des très fiables. Je n'en doute pas. Et tout ça sans garantie? Oui, vous avez frappé à la bonne porte. Hélène Odéon, inspectrice des services internes. Et vous, vous vous êtes adressée à la mauvaise personne. Votre compte est bon. Madame la Présidente, vous êtes une magicienne. Je sais. Ma femme est revenue grâce à vous. Je sais. Comment avez-vous fait? Je lui ai dit que j'avais besoin de vous. Si elle ne revenait pas, j'allais vous perdre. Vous avez dit ça? Oui. Vous me prenez pour qui? Merci, madame la présidente. Et vous le pensiez vraiment? Non, vous me prenez pour qui? Qu'a-t-elle dit? Rien. J'ai rajouté, vous allez faire des heures supplémentaires, bénévolement. Je crois que ça l'a convaincu. C'est bien fait, vous êtes d'accord? Oui, madame la présidente. Merci, madame la présidente. J'ai une banque à faire tourner. Au revoir, madame la présidente. Alors, ma petite Lucie, c'est pas si grave. Vous plaisantez, monsieur. C'est une inspectrice des services internes. Je vais être envoyée. Ou peut-être même aller en prison. Elle est où à présent? Dans le bureau de la présidente. Je suis bon pour le chômage. Au mieux. François, tu ne devineras jamais ce qui m'arrive. C'est le plus beau jour de ma vie. Tu te maries? Presque. Ma femme revient. C'est grâce à la présidente. Cette femme fait du miracle. Si ça pouvait être vrai. Lucie, je viens d'être pris en flagrant délit de magouille devant une inspectrice des services internes. C'est certainement cette femme qui est rentrée derrière moi, dans le bureau de la présidente. Elles ont l'air de se connaître. Mademoiselle Saint-Gervais, venez. Elle a claqué les doigts, c'est bon signe. Madame Odéon, c'est une vieille amie. J'ai donné un peu d'argent, tout va bien. Merci madame. Une magouille. Oui madame, vous m'avez sauvé la vie.